16e épisode d'Heroes 4 Myth of Magic. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est l'épisode de ce matin, c'était l'Eisenberg, il est arrivé, il s'est passé un truc et il est arrivé. Du coup, il a une petite idée, c'est qu'en fait, tout ça, ça sert à rien. Donc on va les vendre tout ça. Ah, sauf que c'était pas ici qu'on vendait ça, c'était là. Donc on va y aller au prochain tour. Et on va essayer de recruter des troupes. Alors, je veux de l'or en échange. En fait, on va tout vendre. Vendre. Contre de l'or. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, là, on met de l'argent, on gagne de l'argent, là. Voilà, bon, on a gagné 8000. Donc on va aller voir à recruter 2-3 soldats s'il y en a sous le coude qui traîne. On va recruter 1. Alexander s'est dit, c'est problématique, comment on va s'en sortir? Ah, j'ai pas de place dans mon armée, attends, bouge pas. Ça, ça sert à rien. Voilà. C'est bon, là, t'es content. Non, c'est pas toi qui joue, qui bouge, c'est toi. Ah, d'accord. On finit sur notre tour. Recrutons. Et là, il n'y a pas un truc, là? Ah, par contre, où est-ce que je la trouve une épée Parce que de l'or, j'en gagne pas des 100 et des 1000, quoi. Donc, je vois pas comment je gagne sinon contre eux là en bas, quoi. Je suis obligé de les affronter. Il n'y a pas trop d'épée, l'Eisenberg. Hein. Il n'y a pas un autre qui a une épée qui est planquée dans son. Voilà, la solution est peut-être ça. Si on y est venu ou pas, on va aller voir. Parce que ça me semble quand même mal barré de devoir affronter. Oui, on met des loups là, on s'en fout. Allez, galop. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a quelque chose à récupérer là? Je sais plus si j'y suis allé ou pas. Plus 3 d'attaque, c'est cool. Et ça sert à quelque chose d'aller à la tour. Je pense que ça ne sert à rien, mais on va aller voir quand même. Bon, on va essayer d'aller voir là. C'est la dernière solution. Hein. Parce que sinon, je vois pas. Hein. Il y a bien quelque chose. Voilà. Je suis d'expérience. Alors. Expert en combat. Ouais, genre là, il y a une mine d'or. Hein. C'est pas nous, là, une mine d'or. Ah bah c'est bien, tu m'attaques. Passe le tour, on va les laisser approcher. Alors toi, on va donner
La bénédiction de masse à tout le monde. Voilà. Laissons-les approcher un petit peu. Voilà. Comme ça, ils vont mourir un peu plus facilement. Voilà. On va rester en défense. Pareil. Pareil. Hop, voilà. Allez, on va tirer sur lui. Passe le tour, passe le tour. Une petite armure sur eux. Parce qu'ils sont en première ligne, et ça me plaît pas. Alors, voilà. Alors tuer quelques-uns. Voilà. Alors, on y va. Logiquement, il dégomme les trois là. Voilà. Bien. Là, maintenant, les 24, vous allez mourir, vous. Oui, parce que quand on commence à taper avec des trèfles à 4 feuilles dans les mains. Et que c'est pas l'idée du siècle quand même. Je sais pas si vous avez essayé déjà d'attaquer quelqu'un avec un brin d'herbe, ça marche pas. Hein. Ouf, moins 5. On va attendre. Voilà. Toi, tu vas venir dégommer eux. Petite armure encore sur toi. Hop. On tire là-dessus. Voilà. Pas gentil de s'acharner. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça sent le début de la fin quand même pour eux. Tiens. Ah merde. Alors, voilà. On va dégommer les 1. Voilà, ça c'est mort. On va pas aller se battre au corps à corps, hein, faut pas rêver. Celui qui va attaquer va le tuer, voilà, c'est bon. Merci. Au revoir. Je sais pas trop ce que c'était comme bestiole, mais bon. Alors, voilà, c'est gentil, mine d'or. Plus 1000 d'or par tour, ça vaut le coup. Alors, à mon avis, l'épée de la machin chose chouette, là, elle est là. Alors, elle doit être par là, du moins. Allons-y, ça c'est pareil, ça va tomber. Ouf, il y a un tas d'or par ici. Enfin, c'est bien d'avoir des tas d'or, mais il faut pouvoir. Est-ce que non? Laissons-les approcher. Ah oui, quand vous approchez, vous faites pas semblant, quoi. Bénédiction pour tous. Voilà. Hop. Essayer de faire des morts, hein. Bien parce que passons dans le dos, on va l'attaquer dans le dos. Là, en mode traître. Hop, 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 là.
18 contre 7. Oh, on en a tué deux quand même. C'est assez balèze. On est devenu fort. Non, en fait, c'est eux qui sont nuls, en fait. C'est surtout ça. Des lépreux qui réussissent à tuer des gargouilles quand même. C'est vraiment que les gargouilles elles sont pas très douées quoi. Faut bien dire ce qui est. Alors. Voilà. Voilà, et est-ce qu'on les achève? Non. Ah mais c'est bien parce qu'ils viennent, c'est grave bête parce qu'ils viennent au contact pour se faire tuer. Allez, envoyons les lépreux les tuer. Ah bah non, ils vont pas les tuer. Allez, là ils ont dehors. Voilà, un petit carreau d'arbalète. Il est resté 5 PV quand même. On a eu 0 perte. Bon, bah continuons notre petit bonhomme de chemin. Encore une vingtaine. Allons-y gaiement. Laissons-les venir. Ah, ils sont un peu plus nombreux là. Laissons-les approcher. Voilà, c'est gentil. Alors ici, munitions de masse. Oh là là, ils sont tellement mignons de venir se faire tuer eux-mêmes. J'ai même pas besoin de me déplacer quoi. Allez. Allons-y. Vas-y. C'est que vous pouvez le faire, les gars. Faites-vous plaisir. Alors, je vais diminuer les troupes. Hein. Le tour, on va attendre un petit peu. On va passer le tour. Pourquoi? Pour pouvoir soigner avant d'attaquer. Voilà. Oh, bah c'est gentil ça. Alors, soin. Voilà. Attaquons-le celui-là là. Non bah on va attaquer lui là. Hop. Voilà. Toi tu vas venir achever lui, comme ça lui va pouvoir tirer. Dans les deux là-bas, voilà. Voilà, tout est réfléchi. Hein. Lui, c'était plus pour essayer de libérer, mais on n'a pas eu le temps. Alors, 5. Allez, fin de tour. Là, c'est lui qui m'attaque. Là. Bon, c'est combat sur combat dans cet épisode. Là. Allez, on passe le tour. Alors, bénédiction de masse, hein, comme d'hab. En plus, avant que qui que ce soit commence à tirer. Donc comme ça, on va faire max de dégâts. C'est une bonne chose. Allez. Ah voilà. On va aller rester en défense, pareil.
Pareil. Là, on va avancer ici. Juste pour être devant, au cas où ils aient dans l'idée de venir attaquer. Est-ce que c'est les créatures de la mort, ça? Non, toujours pas. Alors, du soin, il n'y a pas besoin. Du coup, on va mettre une petite armure sur lui. Touk, 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 et touk. Alors, on va activer sur eux. Là, on va dégommer eux. Il va falloir les dégommer vite parce qu'en fait ils ont max de chance. Alors, allons-y. Partons au combat. Ça, en fait on les laisse charger, quand ils arrivent à porter on les attaque quoi. L'idée elle est là. Hein. Voilà. Toi, t'es à portée maintenant. Hop. On met ce groupe-là. Voilà. Attaquer dans le dos. Un coup de trèfle. Remettons une armure sur lui. Tac tac. Non, on s'en débarrasse pas, mais on ne peut faire grand chose. C'est bien parce que là, ils sont mis en position que je puisse sortir dessus. Voilà. Voilà. On va te laisser, on va attendre un peu. Ouais, c'était eux, ils peuvent jouer en fait. Hop. Pas la peine d'attaquer. D'abord s'occuper d'eux. On va passer le tour. Voilà. On dégage eux pour qu'ils puissent tirer sur eux. Et voilà. Ça, c'est du travail d'équipe. Alors, Tiris. Voilà. Potion d'endurance. On va aller affronter. Ouf. Allez. Un demi, un quart, attendre. 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 Pourquoi on fait pas que lui? Il balance son sort d'abord. Voilà. Clairement qu'il y a vraiment quelqu'un de menacé en fait, on va le. On ne va faire que ça plutôt. Alors. Voilà, on va avancer un petit peu. Hop, on tire dans les 17 là. Tout, tout, tout. Passer le tour, passer le tour, passer le tour. Ah, l'idée c'est de les affaiblir au maximum la distance, hein. Ni plus ni moins. Hein.
Moi, bon, il y en aura qui arriveront corps à corps. Tant qu'il reste loin, j'ai toutes mes chances de survivre. Hop, hop. Ah. J'ai oublié de tirer dans un d'œuf. Bah dans l'eau alors. Voilà. C'est bien, vous êtes venu mourir tout seul comme des grands. Alors. On va faire le gommé 18 là. Objectif suivant, c'est ça. Hop, on attaque dans le dos encore. Voilà. Pareil ici. Hop, maintenant je vais lire cela au maximum. Voilà, on a fait tomber un bon paquet. Comme ça, ils font plus mal, pour ainsi dire. On va peut-être quand même le soigner. On va l'attaquer lui, hein, comme ça on va le tuer. Voilà. Hop. Un coup d'épée dans le dos encore. Ah, il s'est retourné quand même, il a découvert qu'il pouvait se retourner le garçon. Voilà. Toi tu restes en mode défense. Et toi tu les achèves, voilà. Eux au prochain tour ils sont morts. Voilà. Fini. Voilà, voilà. Bon. On finit sur une note plus joyeuse. En plus, il y a un tas d'or. On va récupérer. Voilà. Voilà, bon. Du coup. Je peux les recruter ou il faut un héros? Ah, je peux recruter. Voilà. Hop. Bon, bah sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Demain, on commence une nouvelle série, comme vous l'avez vu dans la présentation. Je vous dis pas encore le nom parce que je m'en souviens plus trop. Je crois que c'est Another Breaking the Mall. Voilà. C'est un petit jeu indé. Un petit jeu indé qui est, je crois, qui était en bêta depuis un moment et qui vient de sortir officiellement en version 1.0. Alors il n'est pas encore à mon avis totalement fini, mais il y a encore quelques petits bugs, j'ai vu. J'ai joué un petit peu, j'ai vu quelques petits bugs, mais sinon, ça a l'air assez sympa et c'est vraiment de la gestion pure, pure, pure. Donc voilà, allez sur ce, bah, bonne journée, bonne fin de journée à tous et à demain. Salut tout le monde.